Kaiser von Karstein. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du prochain jeu Warhammer Total War 2, donc qui va se passer dans le territoire du Nouveau Monde. Je vais essayer de vous donner aussi mes avis, mes impressions sur le jeu et ce que je pense de cette annonce. Donc d'abord pour commencer avec l'annonce, donc je suis assez content de cette annonce. Hein. Bon, je peux comprendre que beaucoup de gens ou de passionnés de Total War s'attendaient à du jeu historique. Mais bon, après, les choix ont été faits, établis par ça, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Franchement, si, bon, malgré la déception de beaucoup de gens, je pense que ça va être une bonne chose de sortir un petit peu du Total War historique. Parce que je trouve qu'à un moment, un autre Sega risque de s'enfermer à moi en faisant toutes les périodes. Et franchement, le Fantastique apporte de nouvelles choses, avec Warhammer notamment. Et pour ceux qui râlent à propos des DLC, parce que je peux comprendre aussi, hein, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des DLC, mais quand je vois qu'il y a certains jeux qui ont plus de 200 ou 300 euros de DLC, donc que je ne citerai pas, mais que certains connaissent, voilà, alors Warhammer, il y a eu quoi? Allez, 50-60 euros de DLC? Bon, ça fait un double du jeu, je suis d'accord, mais ça n'a pas été fait d'un coup, ça a été fait progressivement. Sans oublier tous les frais DLC qui ont été rajoutés, à savoir les factions, des unités, certaines, pas toutes, quelques héros légendaires, des domaines de magie en plus. Donc voilà. Alors maintenant, je vais essayer de vous analyser un petit peu la vidéo, ce que je comprends et ce que je vais interpréter, et mon avis. Bien sûr, il n'y aura pas la musique pour la première. Top. Alors d'abord, ce que je vois, bah, pour moi, ce sont des elfes noirs. Déjà, je le vois à la tunique et à la cape sombre. Donc, les elfes noirs habitent à Nagaroth. Donc, à peu près, Nagaroth se situe en Amérique du Nord. Donc, c'est un territoire assez lointain de la Lustrie actuelle, donc qui est en Amérique du Sud à peu près. Donc, alors, à mon avis, de quoi ils sont équipés? Donc, vu le style de leur armure, je dirais que, et vu l'arme, il me semble que ce sont des arbalétriers elfes noirs à répétition, des armes assez puissantes et performantes. Ils peuvent tirer deux coups, donc que l'on va voir ultérieurement. Ici, on remarque alors les cousins des elfes noirs, si on peut dire ça, Léozel de Utluane qui viennent d'une île perdue. Donc, on peut dire que c'est un peu l'Atlantide en fait, les elfes d'Utluane, pardon. Ils ont des beaux boucliers, donc blanc, armure claire, bouclier blanc, bleu, blanc, rouge, du doré. C'est vraiment assez attrayant, donc. Connaissant un peu le jeu de figurines, donc je considère que ça respecte bien le les comment dire les voilà les prérequis du jeu, donc, et le respect du lore pour moi, parce que dans les magazines de peinture on trouve souvent des couleurs là. Alors, ce que l'on voit courir ici, alors attendez, je vais vous mettre une meilleure pause. Pour moi, ce sont des furies elfes noirs, donc ce sont des furies dévouées à la neige, quoi. Il y avait aussi une figurine, je me souviens, c'était un groupe de furies qui était disposé autour d'un chaudron, le chaudron de sang, je crois. Et elles sont vraiment meurtrières, ces figurines. Et là. Attends. Top. Alors, c'est un hommage au elfe, pardon. Donc, il accompagne l'expédition au elfe, bien sûr. Je pense que c'est Tyrion, vu le sceptre et son importance, sa cape, et c'est un haut rang social, donc c'est vraiment, vraiment bien fait. J'ai jamais vu la figurine de Tyrion en vrai, mais à mon avis, ça doit être bien respecté aussi. Et là, on voit tout le contingent de lanciers d'Elfutland. Et là, les furies qui se préparent à l'offensive. Elles observent leurs adversaires. Et là, tac, hop. Alors lui, quand vous le verrez dans le jeu, vous n'allez pas rigoler. Malekith, le haut roi du clan, appelé aussi le roi sorcier, bizarrement. Donc on le reconnaît à son armure. Donc à mon avis, ce qu'il a sur la tête, c'est une espèce de couronne, je ne sais pas ce que c'est, avec son casque. L'armure elfe noire est vraiment bien détaillée. Il me semble l'avoir vu, enfin, pas en figurine, mais il me semble qu'il chevauche un dragon. Ce qui est vraiment intéressant, donc ça peut donner du nouveau. Un dragon noir en plus, donc ça rigole pas.
Top. Donc là, on voit que le prince Tyrion est en train d'arriver à un cercle de pierre magique. Donc, à mon avis, ça va protéger un grand vortex qui empêche les hordes du chaos d'envahir le vieux monde, enfin, l'ancien monde, le nouveau monde et l'industrie notamment. On a aussi plusieurs hommages. Je ne sais pas si ça s'est passé au moment même ou au moment où il fait ça, ou si c'est une sorte de flashback qui résume à peu près ce qui s'est passé avant et pourquoi la formation de ce vortex. Là, on remarque que Tyrion a réussi à rentrer en symbiose avec le cercle de pierre, ce qui fait que bah, il peut contrôler son pouvoir et sa magie. Peut-être que les elfes sylvains, pas les elfes sylvains, pardon, les hauts elfes se nourrissent de ces cercles pour essayer de renforcer leur connaissance magique, qui sait. Mais bon, à mon avis, ces cercles appartiennent aussi à d'anciennes personnes, mais faudrait que ça se je confirme ça. Mais je n'ai pas les preuves nécessaires. Bon. Là, c'est l'attaque surprise hein, des arbalétriers à répétition, hein, donc ils font très mal, comme vous le voyez. Ils tirent deux carreaux à la fois. Et là, Tyrion a utilisé la magie du cercle pour se faire une barrière magique, ce qui est vraiment très sympathique, pendant que les lanciers au elfes se sont placés en mur défensif, avec bouclier. Ah, et là. Alors attendez, hop, je vais repasser un petit peu avant, excusez-moi. Tac. Là, on voit une espèce de gros dinosaure arriver, donc à mon avis, c'est l'apparition des hommes lézards. Hein. Pour moi, ça peut être que ça. Un carnosaure, donc à mon avis, il ne doit pas être tout seul. Quelque chose me dit qu'il n'est pas seul à sa tête. Donc là, le mur est transformé. Hop, Tyrion qui a annulé sa magie. Voilà. Là, on voit de la furie elfe noire qui court encore. Et là, on voit qu'il y a un chevaucheur sur le carnosaure. Donc à mon avis, ça doit être un champion ou un cavalier, je sais pas. Et là, on voit toute l'armée des hommes lézards qui arrive. Donc. Au premier plan, on voit des chignes, donc c'est des petits hommes lézards javeliniers, des escarmoucheurs, des hommes lézards avec boucliers et voire des armes lourdes. Là, on a un Slann aussi, donc ça doit être un héros que je ne connais pas le nom. Et on a certainement des Crocsigurs plus loin. Donc là, ça va être la bataille finale entre eux. Alors, oups, j'ai loupé. Donc ici, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs. Il y a une mêlée multiple. Donc je me demande si par rapport à d'autres anciens Total War comme Medieval 2 je crois ou Medieval 1 je sais plus exactement, on pourrait avoir encore le système du 1v1v1v1 que chacun peut tuer n'importe qui quoi. Ça serait vraiment intéressant de voir ce système, après je sais pas si ça va être fait, parce que ça pourrait être sympathique toutefois. Mais en tout cas ça peut l'annoncer clairement. Donc en tout cas le destin va jouer en lustrie pour l'ensemble de cet opus. Mais si vous avez Warhammer 1 du nom, vous pourrez combiner les deux jeux. Au niveau des flottes, apparemment, ça sera de la résolution auto, d'après ce que j'avais cru entendre. Après, peut-être qu'elles seront introduites dans le futur, dans le dernier opus, hein. Donc, on verra. Donc voilà. Ensuite, un autre détail troublant. On a vu que trois factions actuellement, donc hommes lézards, hauts elfes et elfes noirs. Voilà le détail troublant. La quatrième faction sera aux yeux rouges. Excusez-moi. C'est les Skaven. Des hommes rats mutants qui sont différents clans. Donc certains sont spécialisés dans les monstres, d'autres dans les armes technologiques, dans l'assassinat par exemple. Je me rappelle juste du nom du clan Isshin, je ne sais plus c'est lequel exactement. Mais franchement, pour moi, ce Warhammer, non, cette extension de Warhammer annonce de bonnes choses. Et en bonus de précommande, il me semble qu'il y avait les Stadi. Donc, à mon avis, le roster de l'Estadi va subir une refonte parce que pour moi, il ne correspond pas à ce que l'on a actuellement, donc à savoir des troupes impériales. Les Stadi, c'est plus des mercenaires. Alors, pardon. Voilà. Excusez. Oh. Donc, je parlais des Skaven, hein, donc qui est la quatrième faction, avec aussi les Stadi qui sera certainement en bonus de précommande. Qui va certainement reconnaître une refonte de son roster assez complet. Donc voilà. Au niveau de la magie, je pense que les elfes. Non, pas les elfes. Les elfes, les hauts elfes, pardon, sont doués en magie de la vie. Donc voilà. Ça. Peut-être qu'il y aura d'autres magies qui vont apparaître, je ne sais plus exactement. Pour moi, mais par contre, les Slann, donc les Slann sont les crapauds qu'on a vu flotter là avec les elfes, les hommes lézards, pardon. Et ils sont vraiment assez puissants, donc ce sont eux qui ont connu la magie avec les anciens. Il y a différentes générations, par exemple, on a des héros de première génération, deuxième génération, troisième génération, etc. C'est vrai, mais il y a vraiment, vraiment de bonnes choses, je pense, pour eux. Je peux comprendre que la déception soit là
Le fait que ce soit pas un opus historique, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs, parce que beaucoup s'attendent à un opus historique. Mais bon, pour moi, le fantastique régénère Sega. Après, c'est mon avis. Donc, imaginez-vous qu'après Warhammer, après, c'est qu'une supposition, imaginez-vous que Sega ou Creative Assembly arrivent à obtenir la licence du Seigneur des Anneaux. Je pense que beaucoup de gens seraient peut-être intéressés. Hein, mais bon, après, pour moi, Warhammer, c'est déjà beaucoup d'avoir obtenu les droits de Game Workshop, qui, à mon avis, a dû s'enrichir un peu plein les poches. Et au niveau de la politique de DLC, hein, moi, ça me dérange absolument pas. Donc, ils cherchent à rentabiliser leur jeu, ce qui est tout à fait légitime. Je suis pas un lèche-cul ou un suce-boule de Sega, hein, mais bon, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourriez me lâcher des avis, des commentaires, hein. Bon, des pouces bleus, ça c'est en option à la limite pour moi. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et pour moi, au niveau de la date du jeu, donc, si ça annonçait cette année, personnellement je le vois bien pour la rentrée, donc savoir septembre, entre septembre et novembre, je le vois plus dans ces eaux-là. Voilà, salut à toutes et à tous, c'était Kaiser von Karsten de Planète Total War, et on se retrouve très vite sur YouTube, les amis. Au revoir.